Aujourd'hui, nous faisons un voyage dans le temps. C'est parti pour l'exploration de la commanderie du Burgo à la suite des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Mais tout d'abord, c'est où le Burgo ? C'est un petit village situé au nord de Toulouse, tout près du Gers et du Tarn-et-Garonne. Voici quelques indices pour commencer notre balade. Le passage du commandeur. Mais qui c'est ce commandeur ? Des meurtrières à l'intérieur d'une église ? Quelle drôle d'idée ! Des croix de Malte dans une église ? Bizarre ! Eh bien, ce sont quelques indices qui nous parlent de l'histoire étonnante du Burgo. Tout commence en 1214. Cette année-là, Bertrand de Cobirac entre dans l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Comme les autres nobles qui suivent le même chemin que lui, il donne une partie de ses biens à l'ordre. Il offre ses terres du Burgo et l'ordre va y créer une commanderie. L'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ? Dis-moi, c'est quoi cet ordre ? L'ordre est créé au XIIe siècle à Jérusalem. C'est à l'époque des croisades. Les chevaliers sont des nobles de grandes familles d'Europe qui vont constituer une formidable puissance militaire et économique. Chacun apporte un peu de sa fortune en entrant dans l'ordre, comme Bertrand de Cobirac le fait au Burgo. L'ordre est chrétien, il est militaire et il est aussi hospitalier. En effet, les membres de l'ordre protègent les pèlerins, les malades et les pauvres. Certains des membres sont laïcs et d'autres sont des religieux qui, eux, n'ont pas le droit de prendre les armes. Pour faire face à ces dépenses, l'ordre va bientôt posséder des prieurés et des commanderies dans toute l'Europe qui lui permettent de s'enrichir. Une commanderie, qu'est-ce que c'est ? Une commanderie, c'est un domaine agricole qui est dirigé par un commandeur. Il fait cultiver les terres par des paysans, il construit et entretient des bâtiments publics et il assure la protection de ses sujets. Comme l'ordre est souverain, c'est le commandeur qui lève les impôts. Une partie de ces impôts reste à la commanderie et l'autre va enrichir l'ordre. Et peux-tu me dire pourquoi il y a des croix de Malte dans l'église du Burgo ? C'est en lien avec l'histoire de l'ordre. L'ordre des chevaliers est chassé de Jérusalem et de Palestine en 1291. Il va ensuite s'installer à Chypre, puis à Rhodes en 1310, pour terminer en 1530 à Malte. Et il devient alors l'ordre de Malte. Les croix de Malte dans l'église rappellent cette histoire. Et comment la vie est-elle organisée dans cette commanderie ? Les habitants choisissent chaque année les quatre consuls qui vont les représenter auprès du commandeur. Ils sont chargés de défendre leurs intérêts. En 1360, ce sont les consuls qui font construire des fortifications pour protéger le village. C'était de grandes murailles, comme à Carcassonne ? Non, parce qu'on n'a pas de pierre ici. Ce sont des murailles plus modestes, construites avec des galets et des briques. Et ces fortifications sont bordées par de très larges fossés. Un pont-levis permet de les franchir près de l'entrée de l'église. Ces fossés sont très appréciés par les habitants qui peuvent venir y pêcher. Ce qui est utile pour eux car les jours de jeûne sont très nombreux à l'époque. Ces jours-là, il est interdit de manger de la viande qu'on remplace alors par du poisson. Dans les murs de l'église, on voit de petites ouvertures rondes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des meurtrières qui permettaient aux gardes de tirer sur les assaillants. C'est vraiment étonnant de trouver des meurtrières dans une église. En fait, l'église est à ce moment-là adossée aux remparts. Et comme c'est un bâtiment avec des murs très épais, on peut s'y protéger facilement et se défendre sans être vu. Sous la toiture de l'église, il y a des sortes d'ouvertures. À quoi ça sert ? Ce sont des créneaux, comme les créneaux qu'on peut voir en haut d'un donjon. Ils permettent aux gardes d'assurer la défense du village. Une véritable forteresse, cette église. Et dis-moi, est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants dans le village ? Il y a une quarantaine de familles à l'intérieur du village fortifié, que l'on appelle la ville. Et les maisons sont groupées autour de l'église et de la maison forte du commandeur. La maison du commandeur, c'est un château ? Non, pas vraiment. Mais elle est assez grande et elle comprend plusieurs salles. Une salle de réunion, la chambre du commandeur, la cuisine, une chambre basse,
une écurie ainsi qu'un chai. La porte à voussure qui est située sur le côté de l'église donne accès à la maison du commandeur. C'est une jolie porte cintrée avec un petit bénitier de pierre. À l'intérieur de l'église, quand on lève les yeux, on voit un blason. Oui, c'est celui du commandeur Honoré de Grasse. Le blason est assez petit, mais on peut le voir facilement. Où les habitants de la ville vont-ils chercher de l'eau? Il y a toujours eu un puits bien alimenté en eau dans le village et il est utilisé par tous les habitants. Pourquoi y a-t-il un chai dans la maison du commandeur? La commanderie est un grand domaine agricole. Les terres du Burgos sont assez pauvres, alors on y cultive la vigne et c'est d'ailleurs la principale culture. Le chai, où on entrepose les barriques de vin, se trouve dans la maison du commandeur. Et dis-moi, c'est vrai qu'en dehors de la ville, on a construit une grande halle? Oui, tout à fait. En plus de la vigne, les habitants du Burgos cultivent et ont des élevages. On a donc construit une halle pour accueillir les marchés et les foires du village. C'est un lieu de rencontre et d'échange très important pour les habitants. Sur un des piliers de la halle, on peut voir des traces. On dirait des marches d'escalier. Oui, tout à fait. Quand on a construit la halle, on a fabriqué un escalier qui s'appuie sur un des piliers. Cet escalier conduit aux salles communes. Ce sont les bureaux où travaillent les consuls du village. La première mairie, en somme. Est-ce que c'est un domaine riche, cette commanderie du Burgos? Oui, le Burgos est une commanderie riche qui a sous sa tutelle d'autres commanderies. Belleport, Bellecerre, Fajolles, Drudas, Saint-André de Cortibals. Soit 6000 hectares de terre, dont une bonne partie est couverte de bois, ce qui est une grande richesse à l'époque. Quand la commanderie a-t-elle disparu? Les commanderies ont disparu au moment de la Révolution française. Mais au Burgos, on n'oublie pas cette formidable histoire. C'est nous, les voix off. Vous nous avez peut-être reconnus. On est les filles de l'Office de tourisme. Camille. Chantal. Merci d'avoir suivi la visite numérique. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste ici. Retrouvez dans la description les coordonnées de l'Office de tourisme, crédits photo, ressources documentaires, liens vers nos réseaux sociaux et nos coordonnées. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles visites et des aventures haute en couleur en Haute-Lozan. Salut !